secteur démocratique la baille, ensemble avec la famille et prisonniers politiques. On a parlé de Pierre Kelly, on a parlé de Fleurette Jean-Pierre, on a parlé de Arnel Bélizère, Estéril Mackinson, Gary Philemon, et c'est de eux que je parle. Ça fait plus passer 17 mois en prison. Moi, je crois que arrivé pour quitter la prison. Au moment arrivé pour rentrer la caillou. Au moment arrivé pour rejoindre une famille. Au moment arrivé pour persécution politique à faire sur eux assistants. Et Jean met mes honneurs, je dis déjà. Et quand il y a une démarche qui est faite, et pendant que je parle là, le dossier est en état de recevoir jugement. Le dossier est en état d'être plaidé à la cour d'appel de Port-au-Prince. Je parle le matin avec le commissaire du gouvernement, il va nous garantir que d'ici après-midi, une citation qui va aller dans la prison, pour être capable de connaître ou être capable de mener dans la cour d'appel. C'est-à-dire que le dossier est déjà enroulé, le dossier est déjà distribué par devant la composition du lundi. Et mon citation qu'a préparé Divra Joanio, le dossier est en état de recevoir jugement. Et je crois que nous allons nous battre, d'accord, pour obtenir leur libération, parce que le moment est arrivé pour ça. Et féliciter tout avocat qui bataille dans le dossier ça. Je pense de façon particulière à M. Caleb Jean-Baptiste, qui va arriver là, qui bataille en pile avec eux pendant tout le temps qu'il fait dans la prison. Je pense avec M. Stanley Lafortune. Je pense avec M. Palvin qui gourmet en pile avec vous pendant tout le temps vous faites la prison. Je dis, non seulement nous mobiliser comme avocat, mais en tant que structure politique, le secteur démocratique est mobilisé sur cette affaire. Et moment pour quitter la prison arrivé, et nous allons nous battre dans les jours qui viennent pour obtenir leur libération. Je nous tous connaître le secteur démocratique là et ces organisations. Population liée par bon monde lié. Dans le moment ça, nous pensons de façon particulière à ouvriers, ouvriers agricoles, ouvriers qui travaillent dans la factory particulièrement, qui touchent un salaire de misère. Parce que nous connaissons le mot d'ordre des factories. C'est ouvrier quatrinaire, patron millionnaire. Nous pensons avec eux parce que samedi c'est 1er mai. C'est pour la fête du travail, mais en Haïti, non seulement pas de travail, mais grand monde qui travaille, surtout ceux qui travaillent dans la factory, c'est pété à pété fier. Nous pensons avec eux, et c'est ça que Timothée va parler de ça, les dirigeants du secteur démocratique et populaire, les militants, population, supposés accompagner les ouvriers, la manifestation qui est lancée pour 1er mai, 2 mai, parce que justement, nous ne sommes pas capables d'un pays qui construit son exploitation aussi à outrance. On n'accepte pas ça et c'est ça le sens du combat du secteur démocratique et populaire. Maintenant, je dis à ce moment pour nous rappeler position secteur démocratique et populaire. Parce que nous avons parlé de négociations avec Jovenel, nous avons parlé. C'est le moment de rappeler la position de principe du secteur démocratique et populaire. Position principe secteur démocratique et populaire, nous ne pouvons pas négocier avec aucun assassin. Jovenel, participer, même gens avec Barbecue, même gens avec Genève, dans le massacre de la population de la Saline. Jovenel Moïse, participer dans le massacre Belin, dans le massacre Cité Soleil. Ça veut dire, au pape joindre secteur démocratique là, son table de négociation avec Jovenel Moïse. Par rapport à ce pouvoir, notre position est claire, nous sommes dans le ni-ni. Ni négociation, ni cohabitation avec Jovenel Moïse. Nous ne pouvons pas là-dedans. Nous ne pouvons jamais joindre le secteur démocratique là, non cohabitation avec Jovenel. Nous ne pouvons jamais joindre le secteur démocratique et populaire, non négociation avec Jovenel Moïse. Et je rappelle tout le monde, attention. 7 février 2021, dans la soirée, société civile là, ensemble avec classe politique là, tout le monde qui est dans l'opposition, nous te mettez ensemble et nous te choisi Joseph Mécène Jean-Louis, le juge le plus ancien à la cour de cassation pour diriger la transition. Nous ne pouvons pas oublier ça. Parce que moi, il y a des gens qui ont oublié ça.
On ne peut pas faire ça. C'est un homme de 74 ans. Il y a maturité, il y a famille. Nous prenons, nous engager pour le vin président provisoire à transition. Hein? Nous pas capable de oublier, nous te choisir. Nous pas accepter coup de couteau dans le dos. Nous pas accepter de poignarder Joseph Fessenjean. C'est une question de morale politique. Jodia, si on a besoin de parler de négociation, alors Fessenjean lui. C'est le président désigné par l'opposition et la société civile pour diriger la transition. Communauté internationale besoin de parler de négociation, elle parle avec Joseph Fessenjean lui. Elle parle avec elle. Parti politique besoin de négocier, parler, elle parle à Joseph Fessenjean lui. Et société civile besoin de négocier, besoin de parler, elle parle avec Joseph Fessenjean lui. N'a négocié avec elle, elle a dit nous, mais qui n'est pas le premier ministre, mais qui femme la pété, elle parle pour le gouvernement avec Joseph Fessenjean. Nous ne pouvons pas accepter aucun monde levant bon matin, et puis pour nous, pour faire accord avec Jovenel, pour aller en cohabitation avec Jovenel. Attention, mes chers compatriotes, nous avons la responsabilité morale de respecter le choix que nous avons fait le 7 février au soir du juge le plus ancien à la Cour de cassation, Joseph Fessenjean lui, pour diriger cette transition de rupture. Et le choix de Joseph Fessenjean lui a été accueilli, validé par la population qui est descendue dans la rue, à Port-au-Prince comme dans les villes de province, pour dire vive Joseph Fessenjean lui, président de la République. Jodia, on va pas dire, on va parler négociation, et puis c'est de Jovenel qui va parler. Non, c'est avec Joseph Fessenjean lui pour parler. La communauté internationale parle avec Joseph Fessenjean lui, parce que c'est lui-même, toute opposition, société civile l'a choisi pour venir diriger la transition de rupture. C'est avec elle pour parler. Pas capable de t'emblier de choisir parti politique. Yo, écoutez, je vous rappelle à l'ordre. Nous avons choisi dans la concertation le juge Joseph Fessenjean lui pour diriger la transition de rupture. Je dis à nous pas qu'à parler l'autre parole et puis nous oublier de choisir Joseph Fessenjean lui. Tout ça doit parler, je dis à c'est avec Joseph Fessenjean lui pour le parler. Faut parler avec elle, faut aller côté, faut discuter avec elle. Ou pas capable de parler de sortie de crise, si vous ne pas parler avec Joseph Fessenjean. Ou pas capable de parler de gouvernement, si vous ne pas parler avec Joseph Fessenjean. Le secteur démocratique et populaire est attaché. Le secteur démocratique et populaire est attaché au choix de Joseph Fessenjean. Lui, comme président de la transition. Jodia, nous reprenons notre position de principe. Nous sommes dans le ni-ni par rapport à Jovenel Moïse. Ni négociation avec Jovenel Moïse, parce qu'on ne discute pas avec les voyous, les assassins, ni cohabitation avec Jovenel Moïse. Et toute négociation, discussion, parler en pile, formation gouvernement, Gontoro là déjà, y aurait l'île Joseph Fessenjean lui. C'est le juge le plus ancien à la Cour de cassation. Il a été choisi par l'opposition et la société civile pour diriger la transition de rupture. Il ne faut jamais l'oublier. Nous ne pouvons pas aller au matin, nous ne pouvons pas oublier de choisir, monsieur. Nous convaincre, nous parler avec elle, nous dire qu'il faut l'accepter. On ne peut pas oublier ça. Nous ne pouvons pas prendre à elle. On ne peut pas faire ça. Le secteur démocratique n'a pas marché dans un rien. Tout autant, on parle par là, Joseph Fessenjean lui, pour discuter. Voilà notre position de principe. Et la bataille continue. Tout est haïtien conséquent à travers les pays qui engagent dans la bataille contre la dictature, contre les crimes, contre la corruption. Contre tout ça qui a passé plus mal en tant que pays. C'est ça que fait Namdi, tout avocat qui a gommé bon côté peuple pour mettre dehors prisonniers politiques, nous saluons courage. Et nous dit tout prisonnier politique qui a travers le pays, qui est en prison, qui a fait abri dans le moment, dans tout département, nous solidaires
avec eux. Et pas trop longtemps, secteur va sortir une liste publique pour tout le monde connaît quantité de prisonniers politiques qui viennent sur le territoire et n'a exigé libération dans l'immédiat. Dans le même sens, là, nous voulons dire, communauté internationale, corps groupe, Union européenne, département d'État, nous comprenons la position sur la question du référendum. Même là, il y a un petit gens flou. Jean département d'État a dit pour Jovenel que la constitution est floue sur le mandat Jovenel, pendant qu'il connaît que tout le monde. En d'un pays d'Haïti, te dit mandat Jovenel fini 7 février 2021. Ces mêmes gens, tout, nous constatons dans le message joie, il y a un flou sous question référendum. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire c'est responsabilité peuple haïtien pour bataille contre le référendum. Parce que Jovenel a fait peuple haïtien une provocation. Malgré tout le monde lever la voix pour dire que ce n'est pas possible. Mais Jovenel, pas attendez, même blanc qui patronne et qui parle dans le langage ensemble avec elle, qu'il faut qu'on le comprenne. Et nous avons souhaité que patronne lui parle clair avec elle et pour nous éviter le pays à tomber pifon dans le chaos toujours. Et c'est dans ce sens-là que nous avons dit, qu'au groupe, ambassadeur qui est en Haïti, il connaît la réalité du pays. Il connaît les gros problèmes. Des sécurités en dans le pays, des questions de kidnapping en dans le pays, enlèvement, assassinat. Par exemple, la mort maligne, une infirmière, il y a des gens qui et l'État n'a pas dit rien. Le pouvoir n'a pas dit rien. Pas d'enquête, pas rien. Les policiers sont tombés chaque jour. Pas de solidarité. Pas d'enquête, pas rien qui dit. Sous moi ça yo. Moun ap kidnappé chaque jour. Pas gen rien qui fait. Et c'est dans ce sens ça tout n'a demandé population. Plus solidarité dans mitan yo. Là on kidnappe une fête dans zone. C'est pas seulement zone nan pou lever campé. C'est tout pays a pou lever campé. Et m'pa ka comprendre ça qui a passé pe haïtien ces derniers temps. Comment faire assister que y a kidnappé moun partout. Et pas rien qui fait. Et destin nous dans nous. Nous avons crasé la police. Pouvoir laguer nous pour contre nous. Je dis c'est nous pour défendre tête. Et c'est dans ce sens que nous avons demandé à la population organiser de façon disciplinaire, de façon ordonnée, principe, etc. Pour permettre que nous sapions que ce kidnapping. Un kidnapping pas qu'à faire dans la zone. Pour nous sortir avec nous le kidnapper, il faut faire quelques kilomètres l'aller avec nous. Ce n'est pas possible. Il faut que nous kembe kidnapper. C'est vrai qu'il y a des kidnappers qui nous connaissent, par exemple, pour remplacer ça, définitivement par rapport au comportement. Et question kidnapping, question insécurité, nous comprenons bien. Il y a crasé l'économie du peuple là. Mais entre-temps, nous avons réglé les questions politiques en dedans kidnapping, en dedans insécurité. C'est pour faire une paix, pour faire référendum, faire élection. C'est ça qu'on a besoin de faire avec elle. Et c'est ça que fait pendant nous-mêmes. Nous avons dit non à référendum. Nous avons dit non avec l'élection Champrel. Mais nous avons dit qu'il faut que nous bataillons tout contre kidnapping. Nous nous engager dans ce sens. C'est pour nous répondre comme groupe, pour nous dire que. L'élection qu'il a parlé là, il n'est pas qu'à faire avec Jovenel, il n'est pas qu'à faire avec 4 démologues là, sans pas une expertise qui fait sur 4 jours, parce qu'un seul monde qui n'a pas 10-4 dans le il n'est pas possible. Nous pas contre le système, nous n'avons pas qu'à rentrer dans la question d'élection avec Jovenel, avec 4 démologues sans expertise pas fait sur nous. Et c'est dans le même sens, nous avons dit qu'au groupe, j'en ai toujours dit là, nous sommes prêts pour l'élection, mais il faut que les conditions soient réunies. Un, le départ de Jovenel dans l'immédiat. Ça veut dire nous-mêmes, André ne parle pas de ça, parce que nous-mêmes nous préparons déjà pour le départ de Jovenel. Après, nous avons parlé de préparation, pas de préparation. Encore, parce que nous-mêmes, au niveau secteur démocratique là, et en pile l'autre force politique et société civile là, nous préparons déjà. Ça veut dire,
il est important pour nous pour évacuer Jovenel pour permettre que nous parler question élection. Deux, faut question sécurité établie en dans pays pour monde qui fait campagne côte ouvlé parler à peuple là pour peuple là voter. Trois, faut question technique yo résoudre. Faut que tout le monde ait 4 dans mais. Je dis à m'entendre que il y a parlé de 4 millions 4 etc. Yo va faire yo fermer registre référendaire etc. Mais c'est de la démagogie. Bon, moi-même, quand je parle, je n'ai pas de 4. André n'a pas de 4. Timothée, nous n'avons pas de 4. Parce que nous n'avons pas décidé de faire 4 dans ma log là. Et nous n'avons pas fait tout autant que les conditions ne sont pas réunies. Ça veut dire que nous n'avons pas de référendum pour voter. Bon, moi-même, je n'ai pas de 4. Ça veut dire que nous n'avons pas de référendum avec Jovenel. Et nous n'avons pas de référendum Pépé. Nous n'avons pas de référendum qui pour faire couverture pour faire massacre. Pour faire crime, pour faire corruption. Quand on prend le temps pour être ministre, pour faire tout zac, toute corruption, toute bagarre, et puis après ça, il n'y a pas de droit pour répondre devant la justice. Ça veut dire. Ça veut dire que vous voulez institutionnaliser la question de vol, bandit, crime. Le peuple n'a pas d'accord ça. Et c'est dans ce sens, nous lançons un appel à tout secteur dans la vie nationale. Tout le monde, même Jean, monseigneur, ministre de Fella, lui dit, il n'y a pas de référendum. Et il faut qu'on soulèvement général en d'un pays. Je dis à un monde qui fait silence ou complice. Si vous faites silence ou complice, ou pas qu'on doit faire silence dans la situation que le pays est là. Et c'est dans ce sens que nous dit, monsieur Blanco, nous-mêmes, nous pas dans l'élection à Jovenel, nous pas dans l'élection sans question technique qui va traiter, nous pas dans l'élection sans sécurité. Pendant que nous avons salué tout, le congressman, à cette fois-ci, le congressman a frappé fort. Et il a frappé pendant que ses pouvoirs, l'administration Biden, il a parlé avec l'administration Biden pour le département d'État ressaisir. Et nous féliciter le congressman Sao tout au commencement, qui a condamné le massacre à Saline, qui a condamné tout ce qui a passé contre le peuple haïtien, nous féliciter pour le courage. Et nous croyons que le congressman Sayo, c'est des vrais amis du peuple haïtien. Ils parlent le vrai langage là. Et c'est dans ce sens que nous encourageons à continuer le travail beaucoup de peuple haïtien pour nous avancer vers une solution pour libérer le peuple haïtien. Et c'est dans ce sens que nous demandons à la population de rester mobilisée. Parce que la provocation que Jovenel a fait là, pendant que Blanc patron ne parlait pas les clés avec elle, ah, mais c'est nous pour parler clair à Jovenel. Ça veut dire question référendum, non? Nous-mêmes, nous décidons de battre à Jovenel sous question référendum, non? Et nous pas dans l'élection sans que les conditions pas réunies et nous pas dans l'élection année. Ça a fait l'élection 2021, nous avons parlé à ce bail pour éviter pour qu'un pays a dans un système baisé sous ces non crise infinie et pour toujours traiter les pays de San Kone ou contre l'IP. Nous pas dans l'élection avec Jovenel et sénateur. Nous pas dans l'élection avec Jovenel et nous pas dans l'élection Anessa parce qu'on pile bagage pour les jours. Anessa. Bien. Et quelle est notre position sur la situation des prisonniers politiques? À quelle phase se trouve le dossier de ces prisonniers? Et j'en pile là, nous connaît là, yo en pile Fred Axel, et qui a souffri dans les différentes prisons. Et yo repartir dans un paquet de prisons dans différents pays là. Gain Anel Belize, gain Job, gain Pierre Kilik Semelus, gain Paul Joanel, gain Fanel alias Sibekan, gain Jean-Denis, vous paquet qui l'en prison, je ne dis pas, et que nous pataka pas fait preuve de solidarité à l'égard de Mounsayo, puisque yo même avec nous. Nous te impliquer nous dans la même bataille là. À la question à qui phase dossier yo dossier moun sa yo prisonnier politique sa yo trouvé yo. Et déjà nous avons adressé pas mal de requêtes
au commissaire du gouvernement près la cour d'appel du Port-au-Prince, Claude Jean, et à la présidente de la cour d'appel de Port-au-Prince, maître Nora Amilcar Jean-François, pour nous montrer comment il est nécessaire pour le dossier ça est avancé. Et c'est comme ça nous avons dit journée aujourd'hui là, nous sommes effectivement parvenus à contribuer à l'accélération du dossier prisonnier politique ça yo. Dossier et Paul Joannel, Pierre Kilix Emenus et Anel Mélisère et autres, nous avons dit que journée aujourd'hui là, dossier ça yo, yo en état pour joindre jugement. La présidente de la cour a déjà procédé à la désignation d'une commission de la cour devant se prononcer sur le sort de ces prisonniers politiques. Si ce n'est pas lundi demain que dossier attendait au niveau de cour là, c'est l'autre lundi. Mais comprenez bien, c'est un lundi quand même, rapide, vite, que dossier ça prend le temps au niveau de la cour d'appel du Port-au-Prince. Jean-Pierre, nous connaissons là, pas de véritablement de charge. Ces prisonniers politiques ont été arrêtés de façon arbitraire et illégale. On n'était pas en situation de flagrance. Pas de procès verbal de flagrance, pas de preuve. Zamio, yo reproché monsieur, yo, pas pour les yo. Mais comprenez bien, c'est là où fin fermé yo en de prison et que par la suite, il y a des zam, yo dit zam ça yo, c'est pour monsieur ça yo. Donc, on est d'accord avec que ces prisonniers politiques sont bel et bien innocents et que même gens avec privation, liberté, thérapie, prisonniers politiques petit bois, ont été victimes non. Dans la veille 7 février, côté Jovenel, pas doué, continue à rester dans le palais national encore et qu'il était arrêté, Mounzao, c'est pour te justifier la présence dans le palais national. C'est même bagaille à tout qui était fait dans le dossier et Anel Bélizer, Pierre Kilig, Paul Joannel et autres. Donc, bref, nous ne comprenons pas là que ces prisonniers politiques sont victimes d'un abus de pouvoir. Et que c'est un abus de pouvoir que nous prenons combattre, nous prenons terrasser par devant et cour d'appel dans le jour là. Donc par là, nous demandons des parents pour nous poser, pour nous tranquilliser et que le dossier a marché parfaitement bien. Heureusement, juge la cour d'appel là, je ne dis pas là, ils comprennent la nécessité de s'ériger effectivement un rempart de la question d'état de droit, un rempart de la question des acquis démocratiques, et que ont dit que le pape soutenir pièce des ordres, pièce arrestation arbitraire illégale qui fait par Jovenel Moïse. Donc par là, tout nous inviter tout le monde, semaine prochaine, Nabguin pour nous rencontrer, pour nous réouer encore par devant la cour d'appel de Port-au-Prince dans le cadre de ces prisonniers politiques. Merci la presse. Le secteur démocratique là, a fait une conférence de presse ce matin. Pour nous dire, nous-mêmes, c'est un départ immédiat que nous avons. Nous n'avons aucun parler français, parler japonais, parler espagnol, avec monde qui a écrit ou bien qui a parlé notre parole. D'ailleurs, conviction nous, c'est boussole nous. Et ça permet à la population toujours suivre nous à chaque mot d'ordre que nous lançons. Donc nous-mêmes, question nous a parlé l'autre parole, nous-mêmes nous parlons là-dedans, c'est notre départ immédiat, c'est là, secteur démocratique là, exprime. Nous constatons ces derniers temps, le phénomène de sécurité a complètement augmenté. Et d'ailleurs, tout le monde est well, depuis sous-directeur Normil Rameau, la police a été mourue, et qu'il y a avec Léon Charles, la police a enterré. Depuis après l'opération 12 mars qui se passe là, qui la cause près de 5 à 6 policiers perdu la vie, tout le monde a absence de policiers dans la rue et qui vient permettre le phénomène d'insécurité à augmenter. Il y a kidnappé 2, 3, 4 personnes par jour, je dis à passer à une vingtaine parce qu'il y a une trentaine.
Hier, tout le monde a constaté, c'est presque toute capitale là, tout département de l'Ouest a été bloqué par rapport avec le monde qui a kidnappé à droite à gauche. Mais nous venons à matin pour nous dire pas ici. Si chaque fois qu'on kidnappe, on nous dit coin, et puis nous faisons bagaille dans un petit coin, et puis après ça, nous restons là, nous faisons carré à kidnapper. Mais si nous tous levons vos matin, nous barrons en haut, nous barrons en bas, nous bloquons tout côté, nous avons une garantie, nous avons joué un remède, phénomène de sécurité, ça, kidnapping ça, je viens le mettre. Et pouvoir mettre uniquement pour être capable de mettre parole et sécurité dans la bouche nous, pour prolonger avec les questions référendum, pour avancer avec les questions élection. Nous-mêmes, nous venons dire, peuple haïtien, plus gros remède pour nous couper le phénomène de sécurité, ça, c'est l'ordre pour nous l'ordre de tous côtés. D'ailleurs, tout le monde, ouais, personne ne peut pas épargner. Tout secteur jeune, tout le monde net mouillé de phénomène d'insécurité, ça qui est là. Et je vous dis, hein, on est capable de dire, c'est parce que deux présidents PHT qui ont passé là, ils ont fait deux cabesses. Premier, c'est jour, Michel Martelly, il a fait deux cabesses, ne s'appelait légaliser, mais illégal. Et Jovenel Moïse, le président Gagnon, il a fait deux cabesses par là, on ne l'a pas mais légaliser la question de kidnapping. Là. Et je dis, hein, tout le monde qui sortit dans la rue, va sortir à quai cassé, à quai sauté. Mais ça grave là, jusqu'à présent, Jovenel, je ne supporte quelques pays dans l'international là, par rapport avec gagotte qui ont fait dans notre pays. Là. Je dis à nous constater, Raymond Zao dans notre pays, c'est gang, misère, chômage, la vie chère, insécurité, gang tout partout. C'est ça au côté pour nous. Et nous, ouais, bon population qui, comme si nous avons qui croise pour dire, qui a gardé tout ça qui a passé. Nous avons gardé les gens qui ont kidnappé. Nous avons gardé les gens qui ont tué. Nous avons gardé les gens qui ont mis dans la prison mal. Nous avons gardé la police qui a baillé gaz tout partout. Mais je dis à tout le monde constater, la police est extrêmement puissante. Laisse mobilisation pour le baillé gaz, pour craser, pour empêcher le peuple de revendiquer. La police vraiment absente. Chaque fois, massacre a fait dans la quartier populaire, notamment la quartier populaire. Je dis à nous constater que le pays a livré pour contre lui. C'est comme quoi que l'homme dans la rue, c'est l'éternel qui vous permet de rentrer la caille. Alors que bon groupe de monde qui prend le pays à d'assaut depuis 7 février 2021, mandat est fini. Premier kidnappé à ces Jovenel Lié. Les kidnappés ont pouvoir depuis 7 février 2021. Et je dis à la baille kidnappé au Jaret pour continuer et bien kidnapper la population haïtienne. Nous venons là pour nous dire avec le peuple haïtien matin, tout mois de mai. Pour arriver au mois de juin, dans la période de référendum, nous décrétons mois de mobilisation. Ça veut dire que tout ça qui a fait pour empêcher les gens de arriver dans la route que vous voulez, nous avons fait. Et ça fait nous demander avec tous les employés de la factory. Nous-mêmes, nous déjà assumé responsabilité nous pour nous camper de côté au 1er 2 mai dans ça, nous allons faire. Nous-mêmes, nous répondons présent. Et ceci, tout dirigeant secteur démocratique, là, toute base, n'a pas accompagné. 2 mai, c'est pas presque même petit bagage là. Pour l'autre date, on va même besoin de parler parce que nous-mêmes, nous prenons responsabilité nous. Pour nous dire, nous allons faire vivre rond presque dans 10 départements géographiques pays. Pour nous parler avec base, nous. Pour nous soulever. Pour nous mettre dans l'esprit de Jovenel, pas qu'à quel bon pays, pour nous laguer dans l'état ça. Mais tout pour nous retourner pour le prince et à partir de là pour combattre les mal. Question n'est pas le référendum blague. Question n'est pas l'élection blague. Et demander avec le pays ici. Si Jovenel joue de l'argent pour le croquer, pour cadre référendum tout partout, ça veut dire que si vous ne pouvez pas nous manger, si vous parlez, vous avez l'argent pour ça. C'est donc ici. Je vais attendre le professeur Delon et puis après ça, le ministre. C'est nos chers journalistes qui ont toujours répondu présent dans tout mouvement qu'on a fait pour sauver le pays. On va pas détecter ça. Mobilisation que. Comment tu vas nous parler là, c'est un passage obligé, c'est une urgence, et même une extrême urgence, et nous résolvons pour ça. Jovenel Moïse, récupéré, l'usurpateur de titre, le délinquant, car tout le monde qui campait en face de la loi, ou par exemple, dans ce délinquant, le grand pays d'Haïti, c'est pas le grand pays d'Haïti, il est capable. Patron, Madame Clinton, avec Maril, en complicité, avec ce reste avec qui était dans tel conseil électoral là, ils ont mis tel département national. À l'époque, il y avait 2 millions haïtiens environ qui étaient dans extrême pauvreté. Il y en avait plus que
4 400 000 Haïtiens qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas à payer caille, qui n'ont pas à payer l'école, qui n'ont pas accès pour prendre même une place chauffage. Ça veut dire que ça n'a pas qu'à être comme ça. Et mes âmes constitutionnelles nous réunissent pour répéter sénateur Nenel Kassi et Kamal Timothée, c'est la mobilisation. Mobilisation dans tout sens, sous toute forme. Merci. Qui va ici? T-E-L-O-N-G. Qui va ici?